Donc Alexei qui évidemment est équipé avec du matériel de sa marque, donc de Molchanov's. Et qui descend donc en monopalme avec cette monopalme en fibre de carbone. Une superbe mono d'ailleurs, qui est la quatrième génération de monopalme qu'il développe au sein de sa marque. Qu'on a eu l'occasion d'essayer ces derniers jours avec Guillaume notamment. Donc, et qui est hyper pointu en termes de qualité. Donc voilà, Alexei qui met son expertise au profit de la fabrication de matériel d'apnée. Aussi bien pour du loisir que du haut niveau. On a 10 secondes du départ pour une tentative de record du monde d'apnée pour Alexei. Sur ces championnats de France d'apnée qui sont donc un open, c'est la raison pour laquelle on peut avoir des athlètes étrangers qui s'inscrivent et qui peuvent profiter du cadre pour performer. Et c'est pour ça qu'on a des athlètes russes qui viennent d'ailleurs souvent s'aligner sur ces championnats de France. On avait Mariana Gilipsi aussi, qui est franco-russe, qui venait performer. On a des Italiens qui viennent aussi. Et voilà, c'est parti pour Alex. Donc bras devant dès le début. Paf, on envoie les bras. Superbe technique, hein, vous pouvez le voir. Tout en économie. Aucun mouvement parasite. Tout est calculé au millimètre. Superbe ondulation. Alexei, c'est vraiment impressionnant, on a l'impression qu'il bouge pas et il avance quand même. Qui peut faire une vraie démonstration technique. Ultra efficace dans son ondulation. Et là, free fall. Free fall avec des petits coups de mono de temps en temps pour maximiser la vitesse de chute et se remettre un petit peu dans l'axe. Voilà. Et là, on voit que ça s'assombrit petit à petit. Au fur et à mesure qu'on descend, la lumière filtre de plus en plus. 66 et filtrée de plus en plus. Et là vous voyez cette petite loupiote qui éclaire le câble, comme je vous le disais. Ce qui permet à ces profondeurs de vérifier qu'on est bien aligné. 80. Il est long ce free fall. Il est super long. Moins 133 mètres. La gros focus sur la compensation, évidemment, le relâchement. Mètres, on passe les 100 mètres. Encore 33 mètres. Voilà, on se réaligne un tout petit peu. 110 mètres. Et ça continue de descendre. Vous voyez le noir qui commence à entourer l'athlète. À ces profondeurs-là, on a quasiment plus de lumière. Impressionnant. Impressionnant, Alexei. Wow, regardez comme c'est noir avec cette lampe qui perce le noir des abysses. Allez, maintenant il va falloir fournir l'effort. Pour s'arracher du fond d'aussi loin, ça va être une longue remontée pour Alexei. Et regardez cette technique, technique parfaite. Les bras bien gainés devant. Un mouvement qui part très haut au niveau du corps. Ah, Alexei qui se désaxe un petit peu par rapport au câble. Ouais, pop, 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 qui va, je l'espère, se remettre dans l'axe. Alexei qui est un peu désaxé, et ça y est, il se remet dans l'axe. Ok. Le rythme reste assez constant, ça ralentit un tout petit peu, ça repart. Voilà, ça doit commencer à bien chauffer les cuisses là.
Il augmente un petit peu son amplitude. Il prend une petite pause et il recommence. Elle est longue cette remontée. Hein. Allez, première sécu à 40 mètres de profondeur. Elle est rassurante cette sécu. Quand on la voit arriver. 35 mètres, contact sécu. Et il ralentit un petit peu sa fréquence, Alexei, pour économiser ses jambes depuis un petit moment. Il se laisse glisser, il se laisse porter par la flottabilité qui redevient positive et il perd sa surface. Impressionnant. Parfaite maîtrise. Le protocole est réalisé dans les règles de l'art. Génial. Oh, impressionnant, Alexei. Validé. Record du monde. Record du monde pour Alexei. Voilà, qui est félicité par Guillaume Néry. Magnifique. Entouré des apnéistes de sécurité. Superbe. Superbe performance. Moins 133 mètres. Nouveau record du monde d'apnée. En poids constant monopalme pour Alexei. Parfaitement réalisé. Superbe Alex. C'est beau.